Dans les semaines à venir, nous lancerons la première... Hein ? Quoi ? Quoi ? Dans les semaines à venir... Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, Rainbow Six Siege Mobile est annoncé. Et oui les gars, ça y est, c'est officiel, c'est pas des lol, hein, c'est vraiment de vraies annonces de Ubisoft. Rainbow Six Mobile va sortir. Dans cette vidéo, on va se mater la bande-annonce parce que je ne l'ai pas encore vue. On va regarder ce que le site nous dévoile parce que je ne l'ai pas encore vue. Enfin bref, plein de trucs à voir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me lâcher ton meilleur like, ton petit commentaire pour me dire si enfin un CQB mobile qui arrive te hype, parce que moi j'attends ça depuis bientôt maintenant 2 ans. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Bref, les petits potes, sans plus perdre de temps, on va scroller le site internet. Alors, il y a le Twitter, il y a l'Instagram, il y a la page Facebook, il y a le Discord officiel Rainbow Six mondial. Et bien sûr, il y a la chaîne YouTube où il y a le trailer qui a été annoncé. Bref, ici, nouvelle en vedette. Donc voilà, le 5 avril, ils annoncent R6. Quelques mots des développeurs. Nous prenons quelques instants pour vous parler du développement du jeu, de notre amour pour Rainbow Six Mobile. Bref, ça on va pas se lurer, on va continuer à scroller. Les plans, préparez-vous et concourez dans les milieux classiques de Rainbow Six Siege adaptés au mobile. Les futures mises à jour incluront des cartes supplémentaires. Pour l'instant, alors comme vous pouvez pas le voir, je vais le décaler, vous voyez qu'il y a la banque, il y a frontières et il y a bientôt disponible. Donc là, c'est-à-dire que pour l'instant, ils nous ont mis banque. Alors, est-ce qu'on peut cliquer? On ne peut pas cliquer dessus. Pour la banque, située au milieu d'une ville très peuplée, cette banque fortement fortifiée ne sera pas facile à infiltrer. Les attaquants auront du mal à trouver l'objectif car le bâtiment est composé de plusieurs petites et moyennes salles pouvant être facilement renforcées par les défenseurs. Il y a frontières. Sur cette carte, vous vous sentirez isolé dans cette avant-poste mortuel situé à la frontière de deux pays. Entièrement entouré de montagnes, de déserts, cette carte est composée d'anciens et de nouveaux bâtiments et est remplie de zones ouvertes. Se déplacer est dangereux et doit être calculé avec soin car avec une des cartes les plus ouvertes, j'ai du mal à lire en fait, c'est bizarre, mais en gros de ce qu'on comprend c'est que la map banque sera une banque vraiment close, petite, serrée, où ça sera la précision qui va payer. Et dans la map frontière, ça va être une map ouverte. Donc là, il va falloir vraiment gérer ses mouvements. C'est-à-dire qu'il y aura des axes, il y aura du sniper dans l'air. Pouh ! Que demander de plus, mon gars ? Opérateur attaquant. Donc là, du coup, il nous annonce les 5 premiers opérateurs qui seront disponibles dans R6 mobile. Il y a, du coup, Center. Il y aura... une luge, alors là c'est traduction française, hein. Il y aura Tic, il y aura Thermique, il y aura Ibana. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? On peut cliquer dessus. Oh là 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 là, je suis en train de kiffer les gars. Je vous le dis, je suis en train de kiffer grave ma vie. Alors, hop, on va décaler ça ensemble. Opérateur attaquant, centre. Arme principale, fusil d'assaut R4S. Arme secondaire 5.7, USG, arme de poing. Capacité unique, briser les rounds, gadget, grenade assourdissante. Ok. Une luge, traduction française de dingue. Arme principale, fusil d'assaut R4S. Arme secondaire 5.7, usage arme de poing. Capacité, briser les rounds, gadget, grenade assourdissante. En fait, pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. En fait, c'est les mêmes. Ok, c'est les mêmes. On va s'arrêter là. Hein. On va continuer de défiler. Je pensais qu'on allait avoir des infos. Bref. Opérateur de défense. Alors, là également, du coup, nous allons avoir, du coup, Caviera, Bandit, Fumée, Walkiri. Walkiri, let's go! Et Muet. Bon, j'imagine que sur ces... grenade à gaz télécommandée... Ok. Ok, ça change... C'est bizarre, non? Ou c'est peut-être le site qui bug? Fumée, bouclier déployant. Ah, mais c'est le site qui bug! Ok, c'est bon! Wouh! C'est le site qui bug, en fait. Ok, donc... pour centre,
Du coup, ça on a vu. Pour une luge, effectivement, c'est pas pareil. Fusil d'assaut L8A2, en arme principale, en arme secondaire, la SG, ok. Capacité unique, marteau, perforateur, tactique. Et en gadget, une grenade de fragmentation. Ok, donc lui, du coup, il va exploser les fermetures et les murs aussi. Tic, du coup, arme principale, un fusil d'assaut F2, une arme secondaire, une P9. Elle, sa capacité, c'est d'envoyer des drones de choc et en gadget, Clearmore. Ok, donc elle, du coup, elle va être, je pense qu'elle va être jouée de ouf. Elle sera importante pour commencer. Termite. Alors, Termite, qu'est-ce qu'il nous annonce, lui? Arme principale, fusil d'assaut, 552 com, ok, arme secondaire 5.7. Capacité unique, charge exothermique. Et du coup, gadget Claymore. Ok. Et Ibana, qu'est-ce qu'elle nous annonce, elle? Un fusil d'assaut type 88 CQB. Arme secondaire, une arme de .93R. Capacité unique, largeur X-Kairo. Gadget, grenade assourdissante en... Ok, donc ça, du coup, c'était pour les attaquants. Maintenant, on va vite faire le tour des défenseurs. Donc, du coup, on va commencer par Caviera. Caviera, elle, qu'est-ce qu'elle nous présente? Elle nous présente... en arme principale, fusil à pompe, ok. Arme secondaire, arme de poing. Capacité, pas silencieux, ok. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être super silencieuse quand elle va se déplacer. Donc, ça peut être super pas mal en défense. Ça peut être drôle aussi en termes de gameplay. Gadget, grenade à impact. Ok. C'est-à-dire que tu balances ça dans la foule, ça fait le travail. Bandit. Alors, bandit, qu'est-ce qu'il propose? Arme principale, mitraillette MP7. Arme secondaire, pistolet 5.7. Capacité unique, fusil, fil de choc, autant pour moi, fusil, fil de choc, donc ça, c'est-à-dire que ça sera du barbelé électrique, et gadget, fil de fer barbelé. Ok, donc j'avais déjà prédit ce que j'allais lire, c'est super cool. Fumée, bon, bah lui, à mon avis, on arrive à deviner bien ce qu'il va faire, hein. Il aura une M500, pistole CMG11, grenade à gaz télécommandée, et bouclier déployable. Ok, donc un bon petit tank. Valkyrie, du coup, mitraillette MPX en arme principale, en secondaire, arme de poing, Keratos 40. Capacité unique, du coup, caméra Black Ears, donc c'est-à-dire qu'elle, ça va être les yeux de la défense. Et gadget, cellule nitro. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par cellule nitro. Si les gens dans les commentaires qui peuvent me guider, je serais preneur. Et du coup, pour finir, muet. Donc là, muet, je pense que tout le monde sait ce qu'il peut faire. Il utilise un fusil de chasse. Ok. Une AP30. Brouilleur de signal. Donc ça, du coup, on sait ce que c'est. Et du coup, cellule nitro en gadget. Ok, donc là, du coup, on a fait le tour de tous les opérateurs. C'est plutôt cool. Ah, le truc qui est intéressant, c'est inscrivez-vous pour recevoir les dernières mises à jour et avoir une chance de jouer avant la sortie. Ok, on va juste aller se mater la bande-annonce. Oh là là, les gars. Wouh ! Let's go ! Ok. Je l'ai pas encore vu, les gars. Stratégie teamwork. Attaque vs défense. Let's go. Unique opérateur. Let's go. Des designs pour le mobile. C'est-à-dire que voilà quoi, enfin ils s'adaptent aux jeux mobiles, c'est pas les jeux consoles qui viennent sur le mobile. C'est des jeux purement mobiles. Rainbow Six Mobile by Ubisoft Original. Let's go. Woohoo. Ok, donc du coup les gars, je suis juste trop hype. Je pense que vous, cette bande annonce aussi vous a rendu lime, de la hype pour un CQB mobile en pleine
Poire. Vous pouvez vous inscrire. Alors cette fois-ci, c'est pas comme certains jeux où c'est uniquement pour les Android ou que pour les iOS. Vous pouvez vous inscrire avec Android et iOS, ou l'un des deux. J'ai même pas encore lu ça d'ailleurs, et bah vous savez quoi, après plus de 3 ans de développement, nous avons pensé que c'était le bon moment pour annoncer le jeu et commencer à tester avec des vrais joueurs. Donc on arrive très très prochainement, c'est-à-dire que le jeu ne lance pas son développement, mais le développement était déjà prononcé. Dans les semaines à venir, nous lancerons la première... Dans les semaines à venir, nous lancerons le premier de nombreux tests en direct et nous demanderons vos commentaires de la façon dont vous pouvez améliorer le jeu. Quoi? C'est même plutôt que ce que je pensais. Ils nous annoncent carrément dans les semaines. Genre, ils nous annoncent un jeu. Tiens, la semaine prochaine, pas kebab. La semaine prochaine, c'est Rainbow Six Mobile. Truc de ouf. Truc de ouf, les gars. Oh, y a déjà un logo, ça c'est pas si beau. C'est magnifique, il est simple et efficace. Toi, je le verrais bien, genre ici. Ok. Et bah, les gars. Je pense que j'en ai assez lu. Cette vidéo, je la fais à chaud parce que je viens d'allumer mon PC. J'ai eu une notif, deux notifs, trois notifs. J'ai allumé Discord, on m'a fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai reçu une dizaine de messages sur Discord. Bref, les gars, j'ai la tête qui fume. Je suis super content. Je sais pas vous, mais en tout cas, je suis hype de chez hype. Les pipotes, si cette annonce et cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Du calme, le micro, du calme. C'est pas fini, la vidéo reste ici. Sachez que je balance beaucoup de vidéos sur TikTok, donc comment vous dire que là, sur TikTok, il va y avoir du contenu. Et bien sûr, n'oubliez pas les Discord en description. Enfin voilà les tipotes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te donne rendez-vous à très vite et à très bientôt. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne nuit. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, c'était Psytrag. Bye bye.